Hop là. Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait une baguette du Pandamonium pour aller sur mon SRAM Terre PVM. On essaie de faire un jet Near Perf, arme de chasse, dommage sort. Et le soin, on s'en fout évidemment. Donc ça facilite grandement le FM. On est sur un PUPO, on a ici 45 depuis. Et on est déjà pas mal du tout. Il nous faut passer le petit Overforce. C'est la partie la plus difficile, c'est fait. On va y aller comme ça, on va récupérer la petite rune chat, magnifique. Là maintenant c'est la vita qu'il faut passer. Allez, ok, moins 20. Le repou. Je pourrais même tenter un truc comme ça en vrai. Rune faux et rune chasse. J'étais sûr que j'avais fait n'importe quoi. Je l'ai vu venir à 1000 km, c'était sûr. NP, NP. Moins 10. Il nous reste 5. Oui, ça pèse 5, c'est moins 25. Non, mais ça va, je m'échauffe. Alors. Là, on est d'accord, on fait pas faux. C'est pas compliqué. Pas faux et chasse. Voilà, très très simple. Ok, on a encore... ok, là, on a peut-être plus trop de pluie. J'avoue. Mais NP, 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 c'est good. Next. 42 depuis. Alors il faut passer la petite ravie. Moins 20. Oups. 42 moins 10 du coup. On va mettre triple pod. On sécure comme ça. Ok, c'est pas mal. On a plus 0,3. Je vais balancer, je pense, l'esquive PA là-dessus. On a moins 2. Il nous faut la petite rafo. Non ! C'est dur. 46 depuis là-dessus. Bon, les congruences sont pas terribles pour la Vita. On a moins 20. Ça va nous faire un truc assez bof. Allez, faut passer la RAFO. Dommage. 50 depuis. Dommage, hein, on vient juste de perdre un de force. Juste avant, j'avais le perf force. Bon, comment on va gérer ça? Petite rune fuite. Plus 2. En vrai, il faut passer à la RAFO. Pas trop le choix. Moins 20. La fuite. Les petites raies. Ok, on récupère. On s'en sort pas trop mal. Faut passer à la ravie. Dommage. Ok. On peut tenter la papode. Alors oui. Mais là, je vais avoir un problème, là. Là, j'ai trop... Attendez. J'ai 30 pods. 30 pods, c'est 7,5. Il faut que je vire 2,5. Il me faut une... Pas faux, je pense. Et là, il y a un monde où l'arme de chasse, elle me vire la pod et elle passe. Ça se tentait. Ça se tentait. Dommage. Pas de PO. 42 depuis là-dessus. Il nous faudrait... Bon, il va nous falloir RAFO et Pavi. Ça va être les deux runes un peu tricky. Moins 20. Et de 1. Ok, et de 2. Moins 3. Pour le reste, ça devrait aller. On n'est quand même pas très large en puits. Alors après, évidemment, si on crie toutes les runes, ça passe mieux. On a 7 de puits. Bah, c'est une tente à chasse. Qui ne passe pas, malheureusement. Bon, on peut tenter un crit. Non plus. Et on n'a pas le PO. 47,2 là-dessus. Ça va être ravi. Moins 10. On n'est pas trop mal. La RAFO qui crit. Magnifique. La PASA, moins 18. Est-ce qu'on récupère sur les raies? Absolument. Esquive PA, moins 7. Et on a moins 11. Il nous reste 8,2. On a souvent une petite tenta chasse qui passe tout pile. Est-ce qu'on a l'arme de chasse? Toujours pas, décidément, elle est timide. Hein. Pas de PO. Ok, 39 depuis, il nous faudrait la... Bon, il faut une pavie, là. C'est un peu compliqué à passer à ce stade, hein, je vous avouerai, mais... J'aurais pu tenter ravi aussi, ouais, c'est dommage. Il m'aurait fallu ça un poil plus tôt, éventuellement. Tant pis. 46 depuis, il va nous falloir la ravie directe. Moins 20.
On peut mettre une petite esquive PA là-dessus. Et une rune chat. Moins 5, c'est parfait. Allez, il nous faut passer la petite Pafo. Moins 6. On n'est pas très large en pluie, mais si la Rafo passe là... Ok, dommage. On avait deux tentes à Rafo. Ça ne passe pas. 43 de pluie là-dessus. Allez, la ravie. Moins 20. Bah, à chaque fois, les grosses runes, dès qu'il y en a une qui passe pas, ça rend les choses très très compliquées pour la suite. Hein. Malheureusement, on a le moins 6 Vita. Et la Rafo qui ne veut pas. 47 de pluie. Bon, est-ce qu'on rebourre la pavie ou est-ce qu'on go ravie? En vrai. Allez, on va go pavie, j'y crois. Mais peut-être falloir que j'arrête de faire ça quand même. Le pire, c'est que fut un temps, je ne l'aurais jamais fait. Encore une fois, c'est passable, hein, mais faut juste que ça passe un peu plus vite que ça. Fut un temps, j'aurais absolument jamais fait ça. Mais là, bon. Quand la congruence, elle donne envie comme ça, tu te dis, bah, sur un malentendu, ça peut, mais... Ça flingue l'attentat. On n'est pas loin pour le reste, hein, c'est dommage. 45 de pluie. Bon, est-ce qu'on bourre la pavie? Aïe. En vrai, on va rafaux déjà. Moins 20. On va pas ça. Moins 9. On a 13 là-dessus. C'était le mieux à faire, hein, objectivement. J'avais pas de quoi mettre de la ravie, donc... Dommage. Alors, 45 là-dessus. Il y a moyen de faire des trucs. Il nous faut la rafo déjà. Moins 10, ok, ça commence bien. La fuite, on récupère. On va mettre une pavie. Une ravie. Allez, allez, dommage. Dommage. Ok, là c'est une tenta magnifique. On a des congruences de fou. On a 48 de pluie. Il faut passer la ravie. Nice. On va mettre la petite tenta faux. Il faut un moins 5. Parfait. C'est peut-être le perf là. La pod, plus 0,1. Allez, il faut passer la rafo et on est good. Yes. Normalement là, on a gentiment les répoux tout en douceur. Moins 2. On a 5 tentes à chasse. C'est peut-être maintenant qu'on fait l'item pixel. Ouais, first try, on a 21 de pluie en rab. Il y a un petit son qui se balade sur l'item, on s'en fout. Bon, bah voilà, c'est ce que je veux. Est-ce qu'on peut avoir le PO là-dessus et ça prend la transe et c'est magnifique. C'est maintenant, donnez-moi de la force dans le chat. Pas de PO. Bah alors le chat. 45 sur une tente un peu foireuse là. Mais avec une petite rafo, ça peut le faire. Bon, on est sur du moins invita. Le reste des congruents, c'est pas dégueu. On a moins 17. Ok, il faut un peu de crit, là. Voilà, suffisait de demander, peut-être. Ok, j'ai pas allé trop vite. 42 de puits. Alors. Là, c'est ravi. Je ne suis pas ravi. Le répoux. Ok. Bon, de toute façon, c'est mort, hein. La rafo qui ne passe pas, next. 43 de pluie, bon l'attentat a une drôle de tête. Mais j'ai appris à ne pas juger. Allez, ok voilà, typiquement là c'est une remontada miraculeuse ça. Et ben on est pas trop mal là-dessus, il nous faut l'esquive PA. Oh ça crit, c'est magnifique. Moins 18, ok on va être un peu short, je l'admets. Ah il nous manque un peu là. Dommage. 45 de puits, bon, il y a les 69 forces, un peu tricky à gérer, on va mettre Pafo et Rafo, voilà, GG à tous, ça m'a coûté 3 de puits, what else en fait, on est pas mal là, on a moins 1 de Vita, mais le reste est très propre, il nous faut le petit esquive PA, moins 7, la petite 13, moins 6, le petit dommage qui crit, Répou, moins 2, mais c'est magnifique ça, je reconnais, 27, bon bah ça c'est du 5 tentes à chasse, hein. C'est très simple. Ok, est-ce qu'on a le PO là-dessus? On n'a pas le PO. 46 de puits. Bah, la Vita est un peu terrible là. Moins 30. Bon, il va nous falloir un miracle. Vas-y, il me faut un mot 26. Il me faut. En vrai, non. Bon, vas-y, on va go comme ça.
On va mettre une pod. Une rafo sortie de nulle part. J'ai plus peur de rien en fait à ce stade. Hop, hop. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le crit. Mais attendez, mais what the fuck? C'est quoi ça? Ok. Alors le problème c'est que j'ai plus de quoi mettre ma rune chasse. Mais ça se crit une rune chasse. Ah bon. Alors évidemment sur des jets comme ça le PO passe. Hein, non mais évidemment. Bah yes, hein, GG à tous. 50 depuis là-dessus, ça peut faire un perf en congruence, là on est très très bien. Le moins 5, ça commence bien, il nous faut un moins 5 et un moins 13. Parfait, plus 0,1. On va mettre la rafo maintenant, je pense. Voilà. Magnifique puits là-dessus, 49, il y a juste la vitale, la force à gérer, alors c'est deux gros over à passer. On va commencer par une petite pafo. Allez, allez, gentiment. En fait, ça sert même à rien de compter le buis parce que de toute façon, on va bourriner les runes. C'est rafo. Ça peut être maintenant, là. Ok, c'est très bien. La ravie, faut qu'elle passe. Yes. Allez, le petit moins 5, moins 6, quel dommage. Est-ce qu'on a l'arme de chasse là-dessus? Allez. Ah, je pense qu'il reste plus beaucoup de puits. Dommage. Pas de PO. Sad. 49 là-dessus, sans conviction. Hein. Il nous faut une rafo. Moins 7. Esquive PA, moins 7. La passa, moins 18. Repère, on récupère pas. Plus de puits. 49 de puits là-dessus, c'est pas ouf. Les congruences là me régalent pas. Il faut une rafo qui crit. Alors ça crit un peu mieux les rafos là. C'est toujours ça de prix. La ravie. Moins 20, bon c'est très correct, on s'en sort pas trop mal. La passe à moins 9. Bah écoutez, on récupère bien. Petit moins 10, moins 14. J'ai ma petite tente à chasse. Qui ne passe pas. On a le PO. Sur des G comme ça, ça vaudrait presque le coup que je les mette HDV et que je refasse d'autres. Hein, mais c'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Parce que là, bon, je peux tenter un cri de chasse, mais j'ai déjà eu le cas de figure tout à l'heure. En vrai, je suis pas pressé, je vais remplir mon HDV, ça m'amortira le coup en rune, hein. C'est peut-être mieux de faire comme ça. Bon, je suis allé voir HDV, j'ai voulu faire le maxage. En vrai, un jet comme ça vaut pas assez cher pour que ça vaille le coup que je me recrafte une baguette et tout. Et quitte à crit un truc, autant crit un PA. Hein. On va pas se mentir. Le chat force un peu, je reconnais. Pas de PA. Ok, là c'est pas simple, mais les congruences peuvent se combiner bien pour avoir un perf, il faut beaucoup de réussite. Je veux la faire en mode giga chat, on va pas compter le puits, on va juste cliquer sur les runes, comme ça, et comme ça. Et en vrai, c'est exactement ce que j'avais dans la tête. C'est magnifique, on va peut-être être un tout petit peu short. Ah, si close, dommage. Dommage. 44 là-dessus. Bon. Ravi. Moins 20. Ok. Il nous faut la rafo. Ouais, c'est mort. 49,8 depuis là-dessus. En vrai, les congruences peuvent donner un truc sympa. Il nous faut la ravie. Ok, moins 10, parfait. Presque envie de mettre une rune sagesse, en vrai. Bon, il nous faut une rune faux. Ah, le moins 6, fallait bien que ça arrive, dommage. La pod, on a moins un vita. J'ai plus 0,3. Hop, on gagne un puits avec les décimales. Hein. Toujours compter les décimales, c'est important. On va mettre... la rafo maintenant. Ah, oh, c'est triste. Ok, on s'est fait ruiner, là. C'est mort, de toute façon. Plus de puits. Next. 46 depuis là-dessus, il nous faut la petite ravie. Moins 20. Je vais go repou. Voilà, il me fallait le moins 11. C'est magnifique. Perf vita. Allez, la rafo. Dommage. Moins 20.
Ça va être dur de finir maintenant. Peut-être une tacle. Ouais, bon, là, on a plus de puits, hein, c'est mort. Next. 48 de puits. Il nous faut une petite pavie, une petite ravie. Moins 33, ça ne régale pas du tout. C'est une catastrophe. Larafo qui crit. Dommage. 48 de puits, l'attentat est intéressante. On va ravi. Ok, nice. Moins 26, dommage. Moins 5, ok. Là, pas ça. Allez. Ah, oh, c'est dur. Moins 27, mais on était tellement haut sur le reste, il y a peut-être encore moyen de négocier un truc. J'ai moins 1. On a deux tentachasses là-dessus. En vrai, peut-être c'est maintenant. Oui. Le PO, les amis, c'est maintenant peut-être. Sur ce beau jet, moins 1 vitalité, arme de chasse. On n'a pas le PO. 41 depuis. Il va nous falloir la petite ravie. Là, il faut de la réussite sur les grosses runes. J'y crois moyen, mais sur un malentendu, peut-être. Eh ben non. 47 depuis. Ça peut donner un truc. Il nous faut la ravie. Ok, c'est mort. Next. 48 depuis là-dessus. Bon, est-ce qu'on tente encore une fois la pavie de forceur? Ou pas? En vrai, non, on va ravir gentiment. Voilà, la voie de la sagesse est revenue parmi nous. Comme ça, moins 5, c'est parfait. La rafo, allez, c'est maintenant. Oui. De toute façon, on s'en fout de compter le puits, on voit une rune chasse. Ah, ils font pas d'efforts aussi, c'est dur. 42 depuis là-dessus, sans grande conviction. On peut peut-être taper un petit moins 36 là, même pas. Dommage, ça aurait pu hein, sur l'esquive. La pafo peut-être. Bon là, c'est finito complètement. Terminé. 49 depuis. Moins 3. Moins 20. Ok. Pafo, moins 3. Et moins 13. Ok, c'est pas trop mal. Il y a peut-être moyen de récupérer. Là, pas ça. Faudrait que ça passe. Dommage. C'est très short. Hein. 50 depuis. Il nous faudrait la petite rafo. Si elle passe. Ok, moins 20. Il y a moyen de faire un truc. On récupère ici. On enlève gentiment l'over. Il nous faudrait la petite passa. Moins 17. Ok, allez, la ravie. Yes. Eh ben, j'ai même pas de comète marine fuite. C'est terrible. 45 depuis. Allez, la ravie, moins 10. On n'est pas trop mal, là. Je peux aller chercher le perf. On va mettre une petite répou, moins 10. Une four. Ok, dommage, de moins 6. Et la pod. Allez, la rune rafo qui passe. Si la sagesse passe direct, on peut choper un truc. Dommage. 43 depuis. Mais il y a du potentiel, là. Il y a clairement du potentiel. Allez, la ravie. Allez, moins 20. Il me faut le moins 6, please. Moins 6, moins 6, moins 6, moins 6. Ah, dur. Ok. Allez, là, pas ça. Le crit qui régale. Plus 1. Le crit incroyable. Moins 2. On a 22 là-dessus. C'est 4 tentas. 4 tentas chasse. Je pourrais mettre de la pavie pod éventuellement. Allez, on s'est assez fait troller par l'item. Pas de PO. 47 depuis. En fait, non. Plus 3. On a combien? On a plus 3, plus 6, plus 2, moins 10. 48. 48, je viens de passer la Vita à 350. J'ai un peu forcé la vie justement pour avoir l'attentat à perdre Vita.
Il y a pas mal de choses à remonter, mais les congruences sont excellentes. Il y a juste à passer une rafo. Moins 20, dommage. Sur un malentendu, on peut avoir un perf là. Un peu de crit. Encore un peu de crit. Non. Moins 6. Là, peut-être. Ouais. Allez, là, pas ça. Moins 9. Ça va être short. Ok, crit. Non, le dommage qui troll. Si close. 46 depuis. Ravi, ça passe. On va go. Bon, on va croire à notre bonheur. Hein. Petit moins 6 là. Allez, j'ai jamais douté. La rafo. Moins 29, ça pique. Là, le problème, c'est que j'ai pas grand chose pour récupérer mon over. Le G est trop haut en fait, sur tout le reste. Il n'y a pas un petit dommage élémentaire qui traîne là. Après en soi je peux mettre chasse hein, mais c'est pas maintenant que je la veux quoi. Ok. Après, là il me reste 7 depuis. Bah de toute façon ça va être chasse. Hein. Ouais. Évidemment le PO passe forcément sur des G comme ça, on connaît. C'est badant. Je me casse la tête pour avoir du perf sagesse depuis 1000 ans, là. J'ai un G, je le veux même pas, ça me tombe dans les mains, quoi. Qu'est-ce que je fais? Ah, oh, c'est trop, là. Et je suis dégoûté, en fait. Ça fait 1000 ans que je me casse la tête à me bouffer du 27 depuis pour monter la sagesse. Bon. Bon. Ah, je suis un peu blasé, je vous avouerai. Allez. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Franchement, capricieux comme item, je suis allé chercher beaucoup beaucoup de très belles tentas et on s'est pas fait régaler. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a quand même intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, et à bientôt. Bon, passage d'une transe de crit sur une coiffe esprit malsain pour aller sur mon fake à feu ou PVM. On est sur un G vraiment PVM bâclé full dégâts, et le reste des lignes n'est pas très propre, mais on fera avec.